Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samrai Godado avec le journal du vendredi 1er décembre 2023. La Chambre des représentants du peuple de l'Éthiopie a approuvé le traité de la création de l'Agence africaine des médicaments lors de sa 7e session ordinaire tenue hier. L'Agence africaine des médicaments sera créée en tant qu'agence spécialisée de l'Union africaine chargée d'améliorer l'accès à des produits médicaments de qualité sûre et efficace en Afrique. Le traité de l'Agence africaine des médicaments a été adopté par l'Assemblée de l'Union africaine le 11 février 2019 et un minimum de 15 États membres doivent ratifier le traité dans le Parlement national pour que l'Agence africaine des médicaments entre en vigueur. La Chambre des représentants du peuple, lors de sa session ordinaire tenue hier, a délibéré sur un projet de rapport de résolution et d'accord prévoyant la création de l'Agence africaine des médicaments. Il a été indiqué également au cours de la discussion que la création de l'agence permettrait aux pays membres de l'Union africaine et à leurs citoyens d'obtenir des produits médicaux sûrs et de qualité. La présidente a ajouté également que la ratification et de la création de l'agence permettra à la nation de s'engager dans un réseau continental fort et fiable sur l'administration et le contrôle des médicaments et aiderait le pays à contribuer sa part dans les performances de l'agence. En conséquence, la Chambre a approuvé à l'unanimité le projet et les lois de la création de la résolution prévoyant la création de l'Agence africaine de médicaments. Le Premier ministre Abiy Ahmed est à Dubaï aux Émirats arabes unis pour assister à la 28e Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. La conférence qui vise à aborder les problèmes mondiaux urgents du changement climatique et à promouvoir la coopération internationale en matière de développement durable se tiendra jusqu'en 12 décembre 2023. Lors de sa première journée, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président de Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pour discuter de l'importance d'une action collective pour atténuer les effets du changement climatique. L'Éthiopie fait la promotion de son travail de développement vert au pavillon éthiopien lors de la conférence COP 28. Les pavillons mettent en valeur les fermes engagements de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique grâce à des solutions pratiques et efficaces. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également exprimé sa gratitude au président Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pour sa visite au pavillon de l'héritage vert de l'Éthiopie. Les dirigeants, les ministres et les communautés techniques éthiopiennes s'engagent dans les discours de discussion qui mettent en évidence les résultats concrets des mesures proactives de l'Éthiopie pour lutter contre le changement climatique. La présence de Premier ministre Dr. Abiy Ahmed à la COP 28 reflète l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération internationale et sa détermination à lutter contre le changement climatique pour le bien des générations actuelles et futures. Par ailleurs, le Premier ministre éthiopien Dr. Abiy Ahmed et le président des Émirats arabes unis ont visité les pavillons du patrimoine vert de l'Éthiopie à la COP 28 à Dubaï.
Le Premier ministre Abiy Ahmed et son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ont visité le pavillon avant son lancement officiel. Le pavillon montre l'engagement ferme de l'Éthiopie à s'attaquer au changement climatique grâce à des solutions concrètes, a déclaré le Premier ministre sur les médias sociaux. Je remercie mon frère Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan d'avoir visité le pavillon pour patrimoine vert de l'Éthiopie à la COP28 où nous démontrons l'engagement ferme de la République éthiopienne à lutter contre le changement climatique grâce à des solutions concrètes, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Les dirigeants mondiaux devraient se réunir aujourd'hui à Dubaï pour définir une voie ambitieuse dans la lutte mondiale contre le climat à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2023. Plus de 6 millions de personnes devraient assister à la conférence de 10 jours, dont les délégués de l'EDG des États membres de la Convention des dirigeants de l'industrie, des jeunes activistes et les représentants de communautés autochtones, des journalistes et d'autres parties permanentes. L'entrée de l'Éthiopie au BRICS est l'un des grands moments que le pays a accompli dans sa diplomatique moderne, a déclaré le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganu Araga. Dans ses remarques d'ouverture d'un atelier consultatif organisé pour l'autorité des organisations de la société civile et l'Institut des affaires étrangères sur l'admission de l'Éthiopie au BRICS, a noté que l'Éthiopie n'est pas jouant à un groupe de dialogue, mais plutôt un bloc qui accueille toutes voix diverses du globe. Autant donné que l'Éthiopie est un défenseur d'un multilatéralisme, le ministre d'État a déclaré qu'elle s'est rejointe au BRICS pour défendre ses intérêts dans la création d'un ordre mondial inclusif. Selon lui, rejoindre la famille des BRICS qui gère 30% du bois mondial signifie beaucoup pour accélérer l'économie éthiopienne. À ces fins, M. Misganu Araga a également appelé les organisations de la société civile à défendre l'intérêt de l'Éthiopie pour les organismes mondiaux et à servir de voix à l'égard des intérêts nationaux du pays. Dans le processus de développement national et de construction d'un système démocratique, la participation des jeunes doit être renforcée. C'est dit la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Dr. Rogé Tesfaye, a déclaré que la participation des jeunes au processus de développement national et de construction du système démocratique devrait être renforcée. Le programme de culture du mois de la jeunesse africaine s'est déroulé avec divers programmes axés sur des questions qui renforcent la personnalité et l'utilité de la jeunesse. Le docteur Urgogé Tesfaye, ministre des Femmes et des Affaires sociales, qui a assisté au forum, a déclaré que le ministre menait des activités encourageantes dans le développement et de la personnalité et des activités qui contribuent à assurer les bénéfices univers de l'âge. Du gène au processus de développement national et à la construction d'un système démocratique devrait être renforcée. Elle a également indiqué qu'en plus des consultations sur le renforcement de la personnalité et les questions politiques, sociales et économiques, et une sensibilisation avait été créée en observant la gène, permettant aux jeunes de participer activement aux affaires nationales. La jeune éthiopienne devrait porter l'espoir de courage et de préservance qu'elle a hérité de ses pères et être un exemple pour la priorité de l'Afrique, a-t-il ajouté.
Elle a également expliqué que si les jeunes peuvent utiliser leurs compétences et leur créativité pour le bien, ils disposent de l'énergie potentielle qui peut éclairer l'avenir radieux du continent. La ministre du Travail et des Compétences a annoncé qu'une conférence nationale sera organisée pour marquer le 7e anniversaire de l'adhésion et de l'Éthiopie à l'Organisation internationale du travail. La ministre du Travail et des Compétences, Moufarayat Kamil, a fait une déclaration concernant la conférence. Elle a indiqué que la conférence se tiendra le 24 au 26 novembre 2016 sur le thème « Réaliser la justice sociale grâce à la consultation sociale et à l'amélioration de la productivité ». Elle a également déclaré que lors de la conférence, les parties prenantes évalueraient conjointement les réalisations, que des pratiques seraient formulées et que des suggestions seraient faites pour aider à renforcer le secrétaire. Elle a également rappelé que lors de la création de l'Organisation mondiale du travail, l'Éthiopie était le premier membre africain, ce qui montre que l'Éthiopie jouerait toujours un rôle de premier plan dans les performances de coopération internationale. Un programme a été préparé pour reconnaître les organismes et les travailleurs qui ont su accomplir correctement leur travail sur le terrain, a-t-elle annoncé. Le sommet se concentrait sur la coopération et la réalisation de l'Organisation internationale du travail et sur la direction à prendre pour résoudre les défis rencontrés un temps après. Des experts de la panafricanisme du développement des pays africains ont conclu un atelier d'apprentissage par les piliers pour changer des idées sur le renforcement des processus de panafricanisme pour le développement en appui à la mise en œuvre de ODD et de l'Agence 2023. L'atelier est organisé par la division de macroéconomique et de la gouvernance de économique de la Commission économique pour l'Afrique s'est tenu à Addis Ababa et reçu la participation des partenaires du développement et des représentants de diverses divisions de la Commission économique pour l'Afrique. Une plateforme a été conçue pour les experts pour discuter des problèmes émergents dans le panafricanisme de développement et catégoriser les solutions à ces problèmes, partager les expériences et meilleures pratiques dans le processus de panafricain de développement, évaluer l'utilisation de manière intégrée et discuter sur comment la Commission économique pour l'Afrique peut améliorer son soutien aux Émirats arabes unis. Aux États membres. Donc, dans son intervention, Adam, directeur de la division de la coopération macroéconomique et de la gouvernance de la Commission économique pour l'Afrique, a souligné l'importance de la panafricanisme du développement dans le contexte de la gestion des ressources, la mobilisation, l'affection, le suivi et la présentation de rapports. Il a noté que la plateforme permettait aux États membres d'assimiler les meilleures pratiques les unes des autres en tenant compte des spécificités de leur contexte respectif.
La Commission économique européenne a annoncé une aide d'urgence supplémentaire de 3,5 millions d'euros pour les inondations dans le Corn de l'Afrique. La protection civile et les opérations d'aide humanitaire européenne ont annoncé hier que la Commission apporterait un soutien supplémentaire aux personnes touchées par les inondations au Somalie et en Éthiopie et au Kenya. Comme la Commission l'a souligné dans sa déclaration, a également indiqué que 2 millions d'euros supplémentaires seront fournis aux citoyens du bassin du fleuve Juba en raison des inondations actuelles en Somalie. Cette aide financière s'ajoute à l'aide humanitaire de 5,5 millions d'euros précédemment allouée aux personnes touchées et déplacées par les inondations provoquées par les récifs et Somalie, précise le communiqué. La Commission a déclaré qu'elle fournirait un soutien supplémentaire d'un million d'euros sur aux zones touchées par les inondations en Éthiopie. Il a également déclaré que l'aide servirait à construire des abris et distribuer au matériel essentiel, à proférer l'eau et à fournir des services médicaux dans les zones touchées par les inondations. Cette aide financière s'ajoute à l'aide d'urgence de 2,3 millions d'euros accordés à la Somalie, à l'Oromia et aux régions du Sud en réponse à la région d'urgence de l'Union européenne face aux inondations. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La Chambre des représentants du peuple de l'Éthiopie a approuvé les traités pour la création de l'Agence africaine des médicaments lors de sa 7e session ordinaire tenue hier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été à Dubaï aux Émirats arabes unis pour assister à la 28e Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. Chers téléspectateurs, maintenant, c'est la fin de notre journal. Donc, c'était moi, Samré Godado. Je vous souhaite une bonne journée.